Ah non mais quel sujet de vidéo! Les toilettes. Les autres, ils font des vidéos sur les différents types de profs ou la musique. Et sinon, pour un sujet comme ça, bah y'a qui? Y'a moi, Léo, ouais. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo sera certainement pas très très mature. Parce que qui dit toilette dit forcément pipi, caca et prout. D'ailleurs, c'est pour traiter ce sujet bonnet du forme que j'ai décidé de tourner cette vidéo dans les toilettes. Nope. Ouais, non, pas du tout en fait. C'est juste que j'ai voulu essayer, mais trop de résonance et trop petit. Ouais. Hé hey Léo, pour ta prochaine vidéo, je te défie de faire une vidéo sur les toilettes. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Ça, c'est toi qui vois, mais je veux que ce soit sur les toilettes. Bah alors? Tu te dégonfles? T'as compris? Tu te dégonfles? Parce qu'il y a eu un prout. Bon, ça va, j'avoue que c'était pas la meilleure. Bon, on va pas se mentir, mais ce lieu des plus intimes, les toilettes, les chiottes, ou encore la salle du trône, ce lieu aux nombreux noms, bah c'est quand même une des pièces essentielles d'une maison. Non mais c'est vrai, hein, c'est la pièce de la délivrance. Bon, je pense pas avoir besoin de décrire cette métaphore plus en détail, hein, mais bon, pour ceux qui auraient pas compris, pièce de la délivrance parce que bah, tu peux délivrer ton espace digestif. Et même certaines de tes émotions, soi-disant en passant. Non mais sérieux, un bon gros caca, ça peut aussi bien vider tes intestins que te redonner une sensation de liberté. Tu sais, t'es là avec une de ces horribles sensations d'oppressement et un de ces mâles de bide. Et là, d'un seul coup, bon, on est d'accord que ce bruit, il est pas très appétissant, hein, il est même un peu dégueulasse, mais c'est vrai aussi qu'après ça, t'as l'impression de planer tellement que tu te sens libre. Ah là là. Bon, redevenons un peu plus classe, la salle du trône. Comme certains l'appellent, c'est aussi un endroit où tu peux passer de très longs moments. Parce qu'il suffit que t'es avec toi, dans cette petite pièce, un motif de distraction pendant que t'as le besoin de faire tes devoirs. Ou le devoir de faire tes besoins. Et quand tu l'as, ce motif de distraction, bah, le temps il passe souvent beaucoup plus vite que ce que toi tu penses. Et ces distractions, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Vous ferez attention la prochaine fois que vous serez invité à quelque part. Si vous allez aux toilettes, il y aura très certainement, dans 2 cas sur 3, dans les toilettes, un petit meuble. Avec dedans des magazines, ça peut autant être des magazines, des promotions du supermarché du coin, que des magazines un peu... olé olé. Et tu pourras peut-être même certainement trouver d'autres des magazines avec plein de distractions dedans. Mots fléchés, mots croisés, sudoku, et qui sait, peut-être même coloriage. Cela dit, je pense que le pire c'est quand t'emportes ton téléphone sur le trône. Ouais, même là je fais des rimes. Alors là, mais t'es sûr de pas ressortir avant la prochaine ère glaciaire, hein. T'as beau te dire que, je sais pas moi, tu vas aller regarder les derniers posts d'Insta de tes amis ou tu vas finir 2 niveaux de Candy Crush, ben au final, tu sais que tu vas regarder beaucoup plus de posts Insta et tu vas finir beaucoup plus de niveaux de Candy Crush. Mais le pire, c'est que juste quand t'auras fini, quand tu te diras que t'en as un peu marre, que tu vas te rendre compte que bah, t'as fini ton affaire depuis un bon moment déjà. Mais mets-toi aussi à la place de la personne qui attend derrière les toilettes. Parce que c'est vrai, mais elle est là, elle a une envie pressante, et puis elle essaye d'ouvrir la porte, sauf que bah, elle n'ose pas en fait, parce que bah, t'es censé être à poil derrière. Du coup, bah, elle attend et elle se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe derrière cette porte. Qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? C'est occupé! A few moments later. C'est toujours occupé! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait bien 30 minutes que tu y es! Bon après c'est vrai que c'est pas forcément parce que tu prends ton temps dans la salle de la liberté que t'es forcément faire un truc comme ça, comme ce qu'on vient de voir. Ça peut simplement être dû au fait que t'as des problèmes digestifs et que du coup tu fais pas des cacas normaux, comme l'indique cette fiche des cacas. Ouais, j'ai une fiche avec tous les différents types de caca que tu peux faire. C'est fort, hein. Tiens, en continuant dans ce sujet, le caca, je vais vous donner un conseil pour économiser un peu d'argent. Je suis sûr que certains d'entre vous utilisent des désodorisants pour lever les odeurs des toilettes. Parce que c'est un désodorisant. Et ben sachez que ce truc là, ça coûte en moyenne entre 5 et 15 euros. Et ben il y a des moyens beaucoup plus simples de lever les odeurs de vos toilettes. Et beaucoup moins cher aussi. Donc ce que je vous propose, au lieu d'acheter ces produits qui coûtent un peu cher quand même, et qui se disent naturels et efficaces, mais qui sont pas si bons pour la santé, c'est d'acheter une boîte d'allumettes qui coûte entre 1 et 5 euros. Et là, c'est le drame. Vous vous demandez pourquoi je vous demande d'acheter une boîte d'allumettes à la place d'un déo? Parce que vous n'avez pas du tout l'intention de faire cramer votre maison. Et vous avez raison. Non, en réalité, je vous dis ça d'une part pour votre santé et d'autre part pour votre porte-monnaie. Parce que quand vous aurez craqué une allumette une fois d'avoir terminé la grosse commission, bah, la combustion de l'allumette, elle va effacer toutes ces odeurs. Et c'est bien moins cher qu'un putain de désodorisant. Voilà donc un conseil pour économiser un peu d'argent et préserver votre santé. Pouce bleu pour le conseil. Ah ouais, et abonne-toi aussi. Et n'oublie pas la cloche!
Allez, ouvre la porte! Oh, ça va, attends un peu! Ouvre, punaise! Oh, tu me fais chier! T'as compris? Pour la semaine prochaine, dites-moi si vous voulez une vidéo plutôt sur une autre pièce de la maison, ou je sais pas, sur un autre thème. Dites-moi tout ça juste en dessous, dans les commentaires. Bon, allez, ça va. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de folie. Enjoy!